Allez, c'est parti pour la partie 3. C'est complètement parti. Même si je suis KO, ça fait déjà 2 heures de live. Donc 2 heures de pétard roulé non-stop. Voilà. Alors. Reprenons où on en était. On en était où? J'ai battu Tigror. Sorcia n'est plus. Elle n'échange plus les villageois contre des herbes pour se faire une beauté. De toute façon, elle était moche, même grosse et pas vieille. Hein, bon, alors. Donc, il y a Lucie qui nous a parlé par télépathie, je ne sais pas comment. Et elle nous dit d'aller la rejoindre au palais. Baston, on va au palais. Magie, hein. Ondine. Alors, on va faire un dernier réglage de la fille. Vous avez la approcher, attaque la fille. Thank you.
mais quand même! Merde! Ah oui, le petit avec cette musique là, le petit elf, il veut faire merde, il va faire enfin, je suis puissant! Un truc comme ça. Ça me fait trop barrer. L'épée badass sera plus puissante que toute autre magie. Sur ton épée, tu peux avoir une magie d'éléments comme le sabre de glace. Ouais, les pieux, l'arme la plus pourrie du jeu. Ah. Ça y est, tique-le. Personne ne peut m'arrêter maintenant. Ça y est, il se la sent plus. Hein. Oh, ils sont trop puissants, ces poissons. Alors on va gaspiller les magies du nain. Enfin de l'elfe. Alors là en l'occurrence combien de points ça va donner en magie? Alors niveau arme magie. Ok, 9 points. 9 points par lancé. C'est comme les armes pour le niveau 1. Alors là, on va monter niveau 1, la magie. Défensive de Béa, hein, Béatrice Lacoufias. C'est Maxi. Donc 9, 18, logiquement. De niveau. Donc 36, là ça fait 45. Je suis à 54, je suis pas sûr, je vais aller vérifier.
Ah non, ça donne pas beaucoup de points, Remède. Ok. Là, le farm. Non, c'est pas de la triche. Alors, je suis à combien après ce farm intensif? 96. Bon, ben voilà, encore une magie et c'est bon. Magie niveau supérieur, niveau 1. Ben voilà, on peut pas monter niveau 2, bien sûr. Monter niveau 2, il faut une deuxième graine. Donc il faut que j'aille au palais souterrain de Gaïa récupérer la deuxième graine. Thank you.
Bon, ici on peut dormir. Donc je vais en profiter. Je vais en profiter pleinement. Monter niveau 1, la magie du nabo. Outil cono. Autant farmer petit à petit que tout d'un coup. Enfin, moi après tout d'un coup je ferai ça plus tard, mais bon. Là il faut faire un minimum. Allez putain. Je suis à combien avec le nain? Enfin l'elfe. Enfin, je sais pas comment l'appeler. Merde. 90, mais ça va monter de niveau là. Dans deux magies. Je préfère y aller pepperoni pizza qui est pas plus temps. Hein. Bon, maintenant, il va falloir configurer l'IA de mes compagnons. Parce que sinon, ils vont attaquer à tout bout de champ les ennemis. Et j'ai pas envie du tout qu'ils fassent ça. Alors. L'elfe.
Ticolo, toi tu vas faire de la merde, tu vas rien faire. Garder, repousser à fond. Et toi pareil. Et moi pareil, bien sûr, au cas où je change de perso. Voilà, on est bon, on est bon. On est bon pour la deuxième graine. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Bah si je me fais enchaîner comme ça aussi. Faut pas faire grand chose. Normalement je devrais esquiver mais c'est la vengeance là. Vous allez pas me chercher. Voilà, c'est fini. Enfin, je crois. Ah bah oui, c'est fini. Oui, le gnome. Je veux le gnome, la magie de la terre. C'est connu, c'est connu. Lève qui n'aime pas le gnome et qui tape dessus. Donne-moi l'épée de glace. Alors il faut que la poule fiche la règle.
Ben voilà, ça c'est fait. Même pas besoin d'utiliser un item. Sphère de la hache. Maintenant je suis marié à Béa la Poufias. J'ai jamais vu la fille qui est pas contente. En route pour la graine mana. Bah oui. Des fois je peux l'oublier, on sait jamais. Oui, maintenant je peux monter mes magies niveau 2. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah, il est revenu se faire taper la tête, c'est bizarre. Bon, il se souvient qu'il fallait au pays. Je crois, hein. J'ai recouvré la mémoire. Nous vivions dans la forêt du haut pays. C'est bien ça. Et oui, en plus ici trouve Sylphie. La chimère devant. Et puis Sylphie. Le gros truc bleu. Alors je suis sûr que la corde elle peut servir dans des cas pareils. Ah, c'est énorme. Pas de magie. Là, j'ai la magie à zéro. Et l'autre fois, d'ailleurs, la dernière fois où j'ai joué, j'étais parti sans magie au pays. Et ben, je peux dire que c'est la merde. C'est la merde. Ouais, bon. Par où je vais, mais c'est pas par là. Thank you.
Comment ça? Bon, bah, on va aller au palais de l'eau. On va aller au palais de l'eau parce qu'il faut l'autorisation de Lucie, hein, c'est connu. Ah bah oui, hein. Mais c'est surtout qu'on y a encore un boss à battre, hein, que j'avais oublié. Ça va me permettre d'augmenter d'augmenter un peu les niveaux de mes magies. Hein, moi je suis un mec de la magie, il me faut des magies. Pour les boss, c'est très important. Si tu veux sécher un boss, il faut la bonne magie et au bon niveau. Hein, niveau 0, là par exemple, là j'ai le gnome niveau 0. Merde. J'ai les deux. J'ai les deux, la fille et le gnome. Oh, c'est un piège. C'est un piège. J'espère que j'ai pas oublié quelque chose. Ah, tu me restaures une sauvegarde. Jean n'est pas revenu de Pandore. Il a dû lui arriver quelque chose. Oh non, putain, je dois. Ah, putain, mais ouais. Bon, ok. Puisque c'est comme ça. Ah, je dois aller me taper Thanatos. Un petit farm final, hein, pour ma partie 3. Alors, comment je peux faire? Alors, déjà, elle va me donner l'épée de pierre. Tout à l'heure. Donc là, c'est quoi? 2. Le boss là, les yeux là, c'est trop de la merde. Si j'ai pas mon épée de terre, moi je fais rien. Thank you.
tassons notre pétard là, parce que. Eh oui, parce que je roulais un pétard en même temps. C'est connu. Ces moments là, hein, les moments où on farm, parce qu'après je peux pas arriver comme ça avec des magies pétées, niveau pété, sans avoir montré que j'ai farmé. Mais bon, là en fait je farme pour eau de vie, parce que ça remet pas mal de vie, ça remet vraiment pas mal de vie, et niveau 2, voilà quoi, c'est ce qu'il me faut. Ça, je peux faire sur tous au lieu de un par un, quoi. Parce que là, je peux déjà faire sur tous, mais ça donne pas beaucoup. Regardez, regarde combien ça donne. Niveau 1, bon, c'est pas 0 quand même, hein. C'est pas niveau 0. Ouais, voilà, ça donne pas mal. Mais bon, je veux que ça donne au-dessus de 100 quand même. Voilà, niveau supérieur, niveau 2. Alors voyons voir ce que ça fait. Au lieu de 80, 90, là on le voit. 114, 119, bon c'est très bien. C'est très très bien. Bon ben voilà. Donc magie de Ondine, niveau maximum avec la fille. 2 sur 2. Après niveau... le niveau du gnome, il est niveau... On va le mettre niveau 2 pour avoir l'épée de pierre niveau 2 contre le boss là avec les yeux, c'est important. Et après je close cette partie 3, de ce casual gaming bien sûr. Je joue en casu. Mais j'essaie d'aller au plus vite quand même. C'est pas... Voilà, c'est juste que je suis obligé de farmer. C'est obligé, c'est la vie. D'ailleurs, je vais faire une petite sauvegarde au cas où ça me baisse d'un coup. Là. Voilà. Thank you.
Ouais, niveau 2. Bon, ça y est, c'est fini. Ça y est. Donc j'ai Ondine niveau 2 et Gnome niveau 2 sur 2 avec la fille. Donc déjà ça va. Je vais pouvoir me donner une épée de pierre pour aller à Pandore et battre le boss là, les yeux là. Parce qu'il craint la pierre, il craint le gnome. Donc c'est pour ça que j'ai monté niveau 2 le gnome et niveau 2 Ondine pour remettre des vies facilement aux 3 personnages. Parce qu'il bouffe beaucoup de vie et voilà, ça fait chier. Donc c'est la fin de cette partie 3. Voilà. Dans 5 minutes, c'est la partie 4. Et puis voilà. Exactement. Comme tu dis. À tout de suite. Voilà.